Et bonjour tout le monde, bienvenue sur du LP, j'espère que vous allez bien tranquille. On se retrouve... Oups, j'ai un petit peu trop pété le truc. On se retrouve ici, donc j'ai un petit peu avancé, YOLO. Vous en rappelez ici au niveau de la ferme, j'avais fait un truc avec générateur, machin, c'était trop compact, c'était trop... C'était un truc que je détestais par-dessus tout, parce qu'il n'y avait pas de place, et ça me gênait profondément. Donc, du coup, ce que j'ai fait, bah, tout simplement, je l'ai déplacé pour le mettre ici. Voilà, je me suis fait un petit truc très sympatoche. Oups, j'ai le hockey en même temps. Très sympatoche ici, avec un petit système new fuel. Ah oui, il n'y a plus de fuel, forcément. Donc, du coup, bah là, j'ai... Ouais. Et plus du tout de fuel. D'ailleurs, ça, il faudrait que je les mette plus en bas. Merde. J'adore le bruit que ça fait. Touc, tec, pouf. Du coup, voilà. Alors, tout simplement, j'ai mis mes générateurs. Ici, je mettrai un système de call avec Underchest plus tard. Qui alimente des générateurs. Ces générateurs-là sont alimentés par des Electrical Engines. Qui permettent, en fait, de transférer des EU en RF. Et ces RF-là sont envoyés derrière dans des conduites. Hein. Donc ici, il va y avoir un autre solar panel qui fait que ça alimente une bad box. Pas une bad box, une grosse batterie, plutôt une petite, d'un million de RF. Donc les capacitors, en fait, tout simplement. Qui fait que ça alimente ces machines. Il y a un ordre. Il y a qu'on appelle, j'extrais de la cobalt ici. Cette cobble-là va, avec une priorité moins 10, là-dedans. Donc ça veut dire que ça va générer, générer, générer à l'infini de la cobble. Toute la cobble part là-dedans. Donc on insère de priorité 1. Mais ça extracte l'autre côté. Également, par les mêmes entrées, ça va en gravier ici. La preuve, il y en a beaucoup. Et ça va en ça. Pourquoi du ça? Parce qu'il me faut beaucoup de verre. Donc c'est pour ça que j'ai fait un générateur qui va correctement. Ici, c'est le surplus de flint, parce que quand vous faites grinder du flint, en fait, vous avez un pourcentage de chance d'obtenir du flint. Et ce flint-là, du coup, j'en fais quoi? Bah, je le fais que ça part directement dedans. Donc du coup, largement tranquille. Hop, extract, voilà. Et le surplus, comme il y a un surplus de gravier important, tout le surplus part là-dedans, donc ça tourne en boucle en fait. Et du coup, voilà. Donc voilà, c'est un petit peu le petit système, donc j'espère en tout cas que le bâtiment ça vous plaît. J'essaie de faire un petit peu de relief droite et gauche en même temps, je peux guère faire autrement parce qu'il y a de la redstone dessus en fait. Pourquoi? Parce que juste en dessous de ça... Voilà, il y a un petit système, il y a un comparateur avec le détecteur jour-nuit en fait, parce que j'ai envie de faire le détecteur jour-nuit. Vu que là j'ai bloqué sur le soleil constamment, c'est-à-dire que ça va s'alimenter que comment? Que avec les solar panels, que je n'ai pas fait parce qu'il manque beaucoup de minerais. Et quand il va faire nuit, en fait, c'est les charcoals, là les générateurs qui vont prendre le relais. C'est pour ça que je veux faire un détecteur jour-nuit. Je pourrais laisser ça comme ça, mais je préfère largement faire un beau petit truc comme ça. Voilà, donc c'est pas très design parce que je suis pas très pro dans le design, mais dans le principal des cas, j'ai quand même fait quelque chose. Voilà, j'ai un Delen Sensor. Hop. Ah oui, du coup, ça s'allume. Qui fait comparateur, qui détecte sa puissance, qui est actuellement de 14. Si je pète ça, normalement j'ai 15. Voilà. C'est juste pour la déco. Et du coup, voilà. Donc j'espère en tout cas que ça vous plaît. Et puis au pire, il y a toujours le système d'alimentation forcé pour alimenter tout ça. Du coup, alors, ce que je voulais faire, moi, c'était un gros village, une grosse farm de golems. Cependant, celle que je voulais, qui était la 2048, bon, en fait, ça aurait été très, vraiment qu'un pour centième, qu'un pour cent de la structure globale. J'ai vu les 2048, chercher sur Google, 2048 villages, c'est assez vaste. Vaste et très puissant, ça va être très compliqué à le faire, c'est pour ça que je vais me tenir à faire un petit truc de base pour l'instant, quitte à refaire une belle construction un petit peu plus loin,
en hauteur naturellement, qui permet tout simplement d'obtenir des plus gros villages et ainsi de produire beaucoup plus de fer. Du coup, j'ai utilisé un petit peu du Project 2 parce que c'est bien beau de chercher, mais il me faut en fait de la Nether Brick. Et cette Nether Brick, bah, je ne peux que l'obtenir en allant chercher de la Netherrack, c'est bien beau, mais c'est plutôt chiant, il faut la cuire. Donc du coup, ce que j'ai fait, j'ai mis un Energy Collector MK1, qui coûte un petit peu cher parce que j'ai plus de diamants. Mais je n'en ai pas fait moi. Les diamants, je les laisse comme il faut. C'est juste la génération de minerais de base. Je pourrais le faire pour le verre, le sable ou la cobble, sauf que je n'en ai pas du tout envie. J'ai envie de faire comme ça, un petit peu les guides quand même. Donc du coup, ce que je fais, je vais construire un peu ça. Je vais juste vous dire comment je le fais en fait. Les golems, il y aura des hoppers ici. Il y aura des golems un petit peu au-dessus qui vont se faire grinder avec la lave et autres. Ça, vous connaissez très bien, c'est le système de base. Et ici, en fait, c'est juste pour récupérer dans des chests et renvoyer dans des systèmes. Si je veux faire des gros systèmes à Applied, faire un autre petit Applied pour récupérer tout le fer ici et le faire en bloc. Voilà, c'est surtout pour ça qu'en fait j'ai envie de le faire ici. Je mettrai également, faudrait que je mette des piliers ici pour faire côté déco. Côté déco plutôt sympa. J'ai tout mis ça dans un chunk bien précis. Comme ça, je pourrais la charger en chunk, en un seul chunk avec un chunk loader. Mais je ne ferai pas charger complètement la zone. Et ça, c'est plutôt un bon point. Si vous faites des grosses usines, mettez-vous bien dans un chunk de préférence. Surtout si vous êtes en modé, vous pouvez tout charger. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. M'en fous 12. Hop. Donc voilà, un petit peu ce qu'il vous faut. C'est un petit modèle qu'on trouve sur le net, hein, mais c'est ce genre de modem que modèle que je fais, pas modem, qui permet d'être assez efficace et pas cher. Ah d'accord. Faut de la Nether Brick pour faire des. Ok. Voilà, donc du coup, bah, je vais construire ça tranquillou et je vous retrouve une fois que j'ai construit tout le reste. À tout de suite. Ah oui, une chose. Pour éviter en fait de monter à la dirt et à la cobble, j'ai envie de me faire mes engine rings parce que c'est bien beau, mais je préfère largement pouvoir voler que de rester au sol avec la dirt pour monter, descendre, monter, descendre, monter, descendre. Donc les engine rings en fait, je les prendrai surtout pour aller voler, forcément. Mais c'est, oui, voilà, c'est surtout pour aller voler que je puisse construire ça correctement sans péter ce genre de choses. Donc du coup, je vais faire les ingénieries, ça m'a été conseillé de le faire quand même. Donc du coup, je vais les faire avec vous. Hop. J'ai pas d'enderpearl, donc comme ça, bah je suis baisé. Voilà, donc du coup, bah je vais chasser des Endermen et je vais les faire pour pouvoir voler. Et oui tout le monde, donc après une multitude de chasses contre les ghasts, parce que j'en ai eu une bonne quinzaine, j'ai découvert aussi qu'il y avait un problème de chunk en fait dans le Nether, c'est qu'au moment que ça unload un chunk en particulier, j'ai beaucoup d'erreurs de sauvegarde. Fail to save chunk, à partir d'un chunk en fait ça fait ce problème. Je ne sais pas du tout pourquoi. Du coup, quand je tire sur un mob, bah, c'est tout simple, la flèche reste plantée dans le mob, mais ne crève pas. Et au bout de 3-4 minutes, en fait, ça débloque et il crève en boucle. Donc du coup, j'ai réussi à capturer un ghast. En plus, il faut le descendre à 2 coeurs sur 5, donc 4 HP. Et j'ai pu le capturer au bout des 15e, donc c'est une course contre la montre. Hein. J'ai beaucoup descendu en steak. Et j'ai capturé une batte pour me faire mes engine rings. Oh, l'avantage c'est que ça me disparaît juste ça. Ah, oh, ça c'est cool. Et du coup, bah, je vais pouvoir voler de mes propres ailes. Enfin, si ça veut bien. Ah non, il faut que je les fasse évoluer, je crois. Use 32 GP. Est-ce que j'ai des feathers? Non, j'ai pas de feathers. J'ai des glaces.
0 sur 0. Est-ce que je le mets là-dedans? Green One Power. Green Hand Power, mais je sais pas à quoi ça sert d'autre en tout cas. Et du coup, je vais faire ce qu'il me faut. Ce qui veut dire... ouais, je vais peut-être les laisser transparentes en fait. Ça sera plus simple. Il me faut d'Atlas. Voilà. Et voilà. Pourquoi je peux pas le mettre? Pourquoi je peux pas le mettre? Des phasers. Il me faut obligatoirement des phasers. Si c'est le cas, il faut que j'aille chercher des poules. Du coup, je me fais ça et je reviens juste après. Bon, du coup, j'ai trouvé comment faire pour obtenir ces gens de Zellring, en fait. C'est tout simplement, en fait, il faut les alimenter. c'est très chiant. Du coup, eh ben, on va faire ce qu'il faut, ouais. On va faire ce qu'il faut. Donc, je vais faire des briques. Il m'en faut combien? Il m'en faut 6 par machin comme ça. Il m'en faudrait 3. 6 fois 3, 18. Hop, 18. Et je les fous là-dedans. Ah, d'accord, ça marche pas comme ça. Pourquoi tu veux pas? Ah, c'est de la polychède. Ok, c'est de la polychède qu'ils veulent. J'ai pas de la polychette direct. Ah si, en plus j'en ai deux. Hop. Et du coup, je génère. Ah putain, il en faut 8 par machin. Et bah je génère, je fais une toupie, hein. Sachant qu'il en faut 8 GP par plaque. Bien ça, ouais, il en faut 8 par machin. J'ai pas un truc d'extra. D'extra U. Ah, j'ai les solar panels qui peut être bien. Un rose. Ah, ça peut être pas mal en rose, tiens. Ça évitera les problèmes. Je vais essayer ceci, tiens. Je vais essayer les solar panels là. Il me faut du lapis. Il en faut 16 par machin. What the fuck? Bon bah on va les générer, hein. Si je peux faire ce qu'il faut sans générer derrière. Mais c'est un petit peu compliqué, hein. C'est très 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 compliqué. Drain power. Putain, j'en suis qu'à... Ah putain, ça monte pas au-dessus. Je suis à 14,4. Ça génère jusqu'à 14. Oh, c'est pute ça. En fait, ça ne génère qu'à 14, donc du coup, il faut les faire les panneaux de base. Give 1 GP. On va essayer, hein, qui ne tente rien à rien. Oh, solaire panel. Oh. Un achievement d'extra U. Solar panel. Power energy to object. Ok. Power stone. Je sais pas quoi ça sert, mais bon, on va dire que oui. Donc, du coup, ça va générer un seul. Bon, ça génère que dalle, ouais. Ah si, ça génère. Ah ouais, non mais... Oui, non mais... Power generate 1. Donc en fait, il faudrait une multitude de panneaux solaires comme ceci pour pouvoir alimenter ce truc. Out de 2. Brick. Vu que tu demandes beaucoup de choses, je vais t'en mettre beaucoup dans la tronche.
Voilà. Normalement, ça devrait être suffisant, ça. Oui. Attends, ça génère, mais à distance. Ok. Ok, très bien. Ça génère à distance. T'es sérieux que ça génère à distance ce truc? What the fuck? Attends, si je les mets là. Tu vas pas me dire que ça me génère en fait depuis tout là-bas quand même. Si c'est ça, c'est ultra pété. Ouais, forcément, il te faut un bloc en dessous, toi. Voilà, et là tu vas me dire que ça génère? Ah oui, ça génère. C'est grâce à ça, je suppose. Même pas. Grind power jusqu'à 66. Oh, ça génère même ici. Je comprends plus rien. En fait, tu veux me dire que ces panneaux solaires là génèrent à distance. En plus de power boosté, hein, avec du lapis. Lapis. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Je vais en faire 9, YOLO. Donc du coup, ça génère de l'énergie grâce à ça. Fire Mill. Lava Generator. Adjacent lava. Il en faut 2. Ça me donne que 2 GP. Ok, il y a besoin du coup de ça pour pouvoir générer. C'est chelou. Mais bon, si ça peut marcher, tant mieux. Lui, c'est 1 GP, c'est comme lui en fait. Sauf qu'il réduit quand il pleut. Lui, ça booste quand il y a la full moon. Ok. C'est très chelou. Donc du coup, là, je peux voler. T'as besoin de 32 GP, là j'en ai 33. C'est quand même un petit peu chelou tout ça. Et là du coup ça va réduire. Ouais, ok. Alors ça je comprends absolument pas. Mais ok, si tu veux. Et si tu veux, je booste encore plus. Moi j'ai mon premier rose. Et il me faut ça. Eh bon, on va pouvoir les faire, tiens. Eh hey, YOLO. On se fait ça et puis du coup on va se laisser là. Hein. Parce que je ne comprends pas pourquoi, mais oui. C'est très chelou. Under. En plus j'en ai ramassé. Qui m'a ramassé m'a donné aussi des Demlettes, les... Comment? L'Underman. C'est très chelou, je t'avouerai. Undershard. Ça fait des screens, tu mets de la redstone, ça en fait deux. Plus ça recharge ça aussi. Waouh, mais c'est quoi ce truc buggé? Des solar panels. Il me faut du verre, je suppose. Ah non. En plus, c'est bien, ça en donne 3. Donc là, on en est à 66. Et du coup, ça génère quoi? No generate. No power.
Alors. Attends, on va réduire un. Donc là, on n'est plus qu'à 65. Ok. Alors, lui, pendant 9 heures, il produit de l'énergie. Faut qu'il ait un accès direct au ciel. Il a un power de boost pendant la full moon. Donc pendant toute la nuit, je crois. Et quand il pleut, ça réduit le power. Ok. Et lui, pendant qu'il fait jour, il te génère de l'énergie. Quand il pleut, ça réduit. Ok, donc il y a des solar panels jour et nuit pour voler constamment. Oh, mais c'est cool. Donc ça voudrait dire que je peux faire des champs de panneaux solaires. Oh. Ah, en tout cas, c'est cool. Franchement, c'est bien cool, ça. Il arrive à 16 GP. Pouf, il a fini. Ok. Bon, bah, c'est cool. Ah, d'accord. Power résonante, je l'avais déjà, très bien. C'est pas très grave. Ça se voit que les achievements sont tellement buggés. Power. Alors, stone, power stone, fire mill, lava générateur, des screens. Ok, celui-là je l'ai déjà. D'accord, ok, je l'ai fait. The achievement, water mill, power glass, collect the sun, pipe, transfer to point to point. Oui, mais ça, je les ai déjà. Et puis ça là aussi, ça aussi. Oh là 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 là. Les achievements sont tellement buggés. Spotlight, power call, boost call. Oh. On peut faire des calls boostés? Ouais, bah ça change pas grand chose, quoi. Mais ok, ok, très bien. Bon, bah du coup, nous, on va se laisser là, tranquillou. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Moi, j'irai me faire un petit solar panel, par exemple, sur le toit de la machine. Ça pourrait être très sympa. Et du coup, bah, je vais vous laisser. Moi, je vais... Ah bah oui, forcément, je bol. Non, mais ça va être sympa pour faire ce qu'il faut. Par contre, dommage qu'on puisse pas les mettre dans le slot, mais... ça va être cool d'aller là-dessus. Du coup, j'ai fait la petite cocotte, là. Il n'y aura plus qu'à mettre les villageois ici et puis là. Et puis normalement, tout devrait bien se passer. Voilà. Bon allez, bisous tout le monde et à la prochaine.